Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver sur DRTV HD Pointe Noire pour le magazine de sport. En tout cas, une exception, étant entendu que c'est la rediffusion qui devait se faire aujourd'hui, mais nous avons préféré être en direct grâce à la dextérité technique de Kevin Mboussou et nous y sommes chez vous. Alors, nous allons parler de la 4e journée du tournoi de travailleurs qui se jouent à Pointe-Noire avec la Ligue départementale. Nous allons parler également du basketball qui se poursuit au niveau de la Ligue départementale. Nous allons évoquer la sortie des équipes congolaises en ce qui concerne la Coupe d'Afrique de vainqueur de Coupe de handball. Et nous allons terminer ce magazine de sport par la remise des médailles aux vainqueurs en ce qui concerne le championnat départemental de courage. Voilà pour les titres. La Coupe des travailleurs, deuxième édition, organisée par la Ligue départementale du sport du travail, rentre ce week-end dans sa 4e journée avec des affiches alléchantes. Au Nzango, par exemple, nous aurons à partir de 9h à ce conseil hôpital général de Lwandjili. À 10h, Coraf sera aux prises à la formation de Brasco et à 11h, Ilox accordera son hospitalité à la formation de Las Police. En ce qui concerne le Nzango moderne, il faut dire que les choses se déroulent parfaitement bien et c'est la formation de Las Police qui tient le bon bout jusqu'à présent, en ce qui concerne cette Coupe des travailleurs. Nous allons tout à l'heure vous donner le classement en ce qui concerne ce Nzango moderne 1, Nzango moderne qui regroupe cette équipe. Alors, la formation de Coraf est en tête en ce qui concerne cette compétition des travailleurs avec bien évidemment 3 victoires. Nous allons donc écouter la capitaine de la formation de Coraf, Madame Micheline Diambo, qui se réjouit de la prestation aujourd'hui de cette équipe de Coraf. En tout cas, elle s'est exprimée au micro de Digital Sport. Nous sommes en forme pour cette saison parce qu'on est resté longtemps en stand-by. Il fallait bien que ça commence. Et la Coupe des travailleurs est la bienvenue pour relancer la saison. C'est le sport, c'est toujours le meilleur qui gagne. Si la Coraf est la meilleure, pourquoi pas? Quittons donc ce Nzango moderne. Il faut d'ailleurs, avant de quitter, rappeler les résultats de la 3e journée. On pourra dire que l'hôpital général de Lwandjili a été battu par Asconseil 52-56. Asconseil également, pardon, qui a été battu par Ilox 56-46, alors que l'hôpital général, en tout cas, a perdu devant Las Police. Las Police. Allez, Brasco a eu raison de la formation de Avia, 52-36 au classement. Donc, après 3 journées, en tête, nous l'avions dit, c'est Coraf avec 9 points. Deuxième, Brasco qui totalise également 9 points, mais goal différence moins. Plus 36 alors que Coraf a 140 et au bas du tableau, c'est la formation de l'hôpital de Lwandjili qui ferme la marche. Alors au football, nous sommes partis avec la 3e journée qui a été très riche en rebondissements. En premier match, Ilox a battu l'hôpital de Lwandjili 2-1. En deuxième match, qualifié de finale avant la finale, Las Police a battu la formation de Coraf sur la plus petite de marche, 1-0. But marqué par son capitaine Aloula en deuxième période. Et nous avons également la formation de l'hôpital de Ngoyo qui a battu l'équipe de Brasco qui organise d'ailleurs en partenariat avec la Ligue départementale du sport du travail est en train de superviser plutôt de sponsoriser cette compétition. Alors Bradico a été battu 4-3, en tout cas ça a été un match plein comme qui dirait. La formation d'Ongoyo est revenue de loin pour rétablir l'équilibre alors qu'elle était menée
par cette équipe de Bralico. En tout cas, des matchs qui ont suscité l'admiration des uns et des autres. Alors, nous allons maintenant pouvoir attendre, écouter les intéressés de chaque équipe par rapport aux résultats réalisés, à commencer par l'AS Police. L'AS Police, non pas ce match, plutôt par le match Ilox Longili, et à commencer par l'entraîneur, le docteur de Longili, qui s'est dit un peu déçu par rapport à la prestation de son équipe. Il s'exprime au micro de Dizzy Sport. Je pense que la déception est au rendez-vous. Je pense que ce qui n'a pas marché, c'est juste le moral des joueurs. La motivation peut se faire sur le terrain d'entraînement, mais lorsque les interviennent sur le terrain, bah bien évidemment, on a ce genre d'attitude. Plus de sérieux, il y aura beaucoup de changements et vous-même, vous le remarquerez. En tout cas, il y avait du grand bruit parce que il y avait vraiment du bruit parce que on a perdu ce match alors qu'il y avait l'égalité un but partout. Mais après, Ilox est arrivé à marquer le deuxième but. En tout cas, le sentiment de joie qu'exprime Pabumbaki, le coach de Ilox. On l'écoute. Nous nous sommes remobilisés après la défaite sous tapis vert qui a été due par un manque d'organisation. Et aujourd'hui, on s'est mobilisé pour essayer de jouer notre jeu. Et voilà que nous sommes. Le match était très difficile, mais nous sommes quand même arrivés à bout de. Et on était motivés toute la semaine. Et voilà, on a eu un résultat positif de 2-1. La prochaine journée sera une journée déterminante parce qu'il nous faut gagner ce match-là pour avoir 6 points et relancer un peu le tournoi. L'objectif, c'est être sur le podium d'abord. Et voilà, donc on va jouer, on va prendre match après match. Et puis, à la fin, nous allons comptabiliser les points et voir si nous sommes sur le podium ou bien peut-être premier. Voilà, ce qui concerne de ce match Ilox Hôpital Général de Longili, match que Ilox a gagné par 2-1. En deuxième heure, il y avait ce match qu'on a qualifié de finale avant la finale entre la Coraf et l'AS Police. Finalement, c'est l'AS Police qui s'est imposé par 1-0, un but marqué en deuxième période par son capitaine, l'adjudant Alula. Alula d'ailleurs, qui se prête au micro de Digisport. On l'écoute. Pour gagner ce troisième match, on a battu Coraf 1-0. C'était notre adversaire potentiel. Comme on a avec eux, je pense que le tournoi est clos pour nous. Ce sont les instructions du général Okibak, commandant en territoire de force de police du Noir, qui nous a donné les instructions fermes que nous devons gagner pour bien fêter le premier match. C'est la cohésion avec les collègues. Oui, je joue toujours comme tel. Je me place au moment opportun, à bon endroit, à un bon moment. C'est là que nous allons boucler le tournoi. Certes que la Coraf a perdu, mais l'espoir demeure toujours, a déclaré le capitaine et entraîneur palais de cette formation de Coraf. En tout cas, une formation qui entend se refaire pour, bien évidemment, monter sur le perchoir de la Coupe des travailleurs organisée par la Ligue départementale. On écoute Palais. L'équipe se refait, donc les mécanismes, on ne les a pas encore retrouvés. Les prochains matchs, on va s'améliorer. On va se rattraper dans l'espoir que les autres s'y perdent. Plus le moral y a, une victoire avec un gros score. La police a toujours été un adversaire de taille contre la Coraf. Donc c'est deux équipes qui se font respecter. Il fallait gagner aujourd'hui. Donc on a joué. Et puis... Voilà, deux équipes qui se respectent. Et aujourd'hui, c'est l'AS Police qui a pris le dessus sur la formation de Coraf 1-0. Donc Coraf est maintenant en deuxième position avec 7 points, suivi de, bien évidemment, d'une autre équipe qui n'est autre que Ilox, alors que l'AS Police est en tête avec 9 points.
En troisième match, il y avait Bralico qui a joué contre la formation de l'hôpital général de Luangeli. Une équipe de Bralico qui a mené en deuxième période et notamment avec ce premier but qui a été marqué par son numéro 7 et capitaine Aurel. En tout cas, partant de ce but, les joueurs de Bralico se sont motivé davantage, mais malheureusement, c'était sans compter avec la détermination de la formation de Luangeli, plutôt de Ngoyo. Après avoir perdu deux matchs, il fallait bien gagner ce troisième match. C'est ce que nous explique d'ailleurs l'entraîneur de cette équipe de Ngoyo, l'entraîneur de l'équipe de Ngoyo, M. Tati, qui le dit au micro de Digisport. Il fallait gagner aujourd'hui, donc on a joué et puis on est sorti vainqueur aujourd'hui. C'est une grande joie pour nous, pour moi et pour toute l'équipe et l'hôpital. La prochaine journée, c'est bien, ça a déjà commencé bien dès lors qu'on a gagné aujourd'hui. On va se préparer pour la prochaine journée pour espérer gagner encore. Je pense bien que j'ai la foi qu'on va gagner une fois de plus. En tout cas, l'adversaire de la prochaine journée devra faire très attention parce que Ngoyo s'est en tout cas réveillé. Au sortir de cette journée, le président de la Ligue départementale du sport du travail a lancé un appel à l'endroit des sociétés publiques et privées de Pointe-Noire, bien évidemment, de s'associer, de participer aux activités de la Ligue départementale de sport car cela va droit. Dans le bon sens pour la rentabilité de la société. En tout cas, je ne vous en dis pas plus, on écoute M. Peter Moka, le président de la Ligue départementale du sport du travail de Pointe-Noire. Le tournoi des travailleurs que nous avons organisé au niveau de la Ligue départementale du sport du travail à Pointe-Noire. Donc, comme vous voyez, nous avons commencé par le Ndiango. Plusieurs entreprises sont là, autant privées que publiques. Donc la S-Police, l'hôpital de Luangeli, l'hôpital de Ngoyo, Brasco, on voit aussi la CORAF, plein de sociétés, ESPI. Donc nous invitons toutes les sociétés à venir dans cette ligue, à venir faire du sport avec nous. C'est l'endroit privilégié. On voit cet esprit-là, comme vous pouvez le voir derrière. Il y a l'esprit d'équipe qui est renforcé là derrière. Il y a une cohésion d'équipe qui permet de travailler. Et ça, c'est un gain pour l'entreprise, c'est un gain pour l'employé également qui fait du sport, qui est en bonne santé. Et c'est ça le plus important. Cette ligue, elle est là pour vous aider dans ce sens-là, pour créer ces moments-là. Mais nous avons besoin de participants, nous avons besoin de vous. Venez nombreux à participer à ça. Le gain est plus que tenable et profitable pour chacun. Surtout ça, le vivre ensemble. Hein. Derrière, c'est très important. Et ça. Le vivre ensemble, comme on dit, la bonne humeur contribue à des bonnes performances pour l'entreprise également. Voilà, en tout cas, participer aux compétitions du sport du travail, c'est cela le vivre ensemble, c'est cela le brassage, la convivialité. Il faut bien, en tout cas, que ça soit de mise. Ce week-end, il y aura le samedi le Nzango et le dimanche le football. Vous assisterez à de très belles rencontres. Quittons la Ligue départementale du sport du travail pour parler maintenant de basketball. Et là, nous allons à la Ligue départementale de basketball avec, bien évidemment, les compétitions qui vont se poursuivre ce week-end en senior homme. À 8h30, nous aurons AS Cheminot Dynamique. À 10h, CPGOS Black Lion 1 et à 11h, AS Cheminot 1 Bébès. Les matchs qui vont se dérouler au stade du kilomètre 4 et dans la catégorie de moins de 16 ans, on suivra au stade de la SNDE, Black Lion contre CPGOS et Interclub Bébès. Au classement, chez les seniors, il y a Black Lion 1 qui est en tête avec 12 points, Gold Difference plus 160. Deuxième, CPGOS, 12 points également, Gold Difference plus 42. En troisième position, NTSL, 9 points.
Quatrième DBS, 4 points et au bas du tableau, on retrouve la formation de Dynamique avec 5 points. Alors, le coach de BBS, de l'équipe, le coach de l'équipe BBS qui a encore des chances de se hisser sur le podium du basketball continental, en tout cas plutôt départemental, n'a rien perdu et il pourrait bien évidemment se rattraper, même s'il se trouve aujourd'hui en quatrième position, parce qu'il y a encore des matchs. On écoute Serge Koumba par rapport à la prestation de BBS et les ambitions affichées par cette formation de BBS. Nous avons nos objectifs pour ce championnat. Et je crois qu'on va assurer. Le reste encore, le championnat encore long. Et encore la phase retour et il y a les play-offs. Donc j'espère que jusque-là, nous allons améliorer la classification. Il y a Black Lion 1 et on a aussi Chemino 1. Sans manquer de respect aux autres. Mais avec l'équipe que nous avons maintenant, je crois que BBS est digne d'assurer et de maintenir leur niveau. Et je crois que jusqu'à la fin, nous allons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. BBS a toujours visé un titre national, mais je crois que cela est possible, surtout qu'avec le groupe que nous avons aujourd'hui. Voilà, BBS qui ne baisse pas les bras, qui croit à ses chances de se placer sur le podium départemental et pourquoi pas aller viser un titre continental et plutôt national hein, et pourquoi pas continental aussi, ça peut arriver. Mais certes qu'en ce moment, la Fédération congolaise de basketball est suspendue sur le plan continental, il faut d'abord régler ce différend avant que les équipes congolaises ne puissent participer aux compétitions continentales. Alors, en ce qui concerne les classements, bien évidemment, chez les juniors, ça se présente de la manière suivante. Junior est en tête avec 9 points. Deuxième, BBS, 8 points. Troisième, CPGOS, 8 points également. Et Lanterne Rouge, la Louva, avec 5 points. En cadet homme, la formation de LLK est en tête avec 8 points, suivi de l'AS Chemino 7 points et Black Lion ferme la marche avec 2 points. Enfin, en junior dame, il n'y a que 2 équipes, c'est la formation de BBS qui est en tête avec 8 points, deuxième et Lanterne Rouge, la formation de l'AS Chemino. Du basketball, nous allons parler maintenant de handball. En tout cas, handball, c'est la grande compétition internationale qui est la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe des clubs qui va se dérouler en Égypte, au Caire, en Égypte, donc qui attire notre attention. En effet, le Congo sera représenté par les formations de AS Otoyo et de la DGSP. La grande formation de la DGSP. La DGSP, justement, qui se trouve déjà en phase de préparation à Tunis. Une formation qui a quitté la capitale Brazzaville le lundi dernier et séjourne actuellement en Tunisie, notamment à Monastir, où elle livre des matchs de préparation contre les équipes locales. En tout cas, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse un peu suivre cette rencontre de préparation pour la formation de la DGSP. L'explication contre une équipe locale, la DGSP. Hey!
logé dans le groupe A avec pour principal adversaire le Petro Atlético de Luanda. En tout cas, un adversaire tout à fait sérieux pour la DGSP, mais la DGSP ne se laissera pas faire. Une équipe qui défend aujourd'hui l'honneur du handball congolais. Dans le groupe B, Otoyo croisera aussi une autre équipe angolaise, pas de moindre. J'ai cité le 1er d'Agosto. La Coupe d'Afrique de vainqueurs de coupe se déroulera du 8 au 18 mai 2023. Mais avant cette compétition, il y a la Super Coupe prévue du 6 au 7, toujours au Caire, en Égypte. Le 6 mai, en demi-finale, de cette Coupe, donc, d'une part, nous allons avoir Petro Atlético Mokcine de Tunisie et d'autre part, Primeiro d'Agosto d'Angola sera aux prises à la formation de la DGSP du Congo-Brazzaville. Le 7, ce sera la finale de la Super Coupe et nous souhaitons vivement la qualification de la DGSP que nous suivons davantage, que nous suivons avec beaucoup de sérénité, surtout que c'est une équipe qui a prouvé ses capacités de jouer les compétitions internationales. Nous repartons une fois de plus à Monastir pour suivre cette préparation de la formation de la DGSP, si l'on peut encore retrouver ces images. Voilà, merci Kevin pour la très bonne réalisation et une fois de plus à Monastir pour ces images. Voilà ce qui concerne la préparation de la DGSP à Tunis. En tout cas, c'est grâce à notre envoyé spécial, Donald Goma, que vous avez eu ces images de préparation
Et pendant la compétition, vous serez toujours à la une grâce à notre envoyé spécial avec la DGSP, Donaldo Goma. Donaldo Goma qui nous a communiqué d'ailleurs le score de ce match d'entraînement. La DGSP s'est imposée 29 à 26. C'est dire que le moral est au zénith et l'on peut compter avec la DGSP. Pour terminer ce magazine des sports, nous nous rendons au complexe sportif de Pointe-Noire où s'est déroulé le championnat départemental de Courage. Et notamment, nous allons vivre, comme qui dirait, la cérémonie de remise des médailles aux vainqueurs dans chaque catégorie. C'est d'ailleurs sur ces images, avec la réalisation de Kevin Mboussou, que nous terminons le magazine de sport de ce soir. Et rendez-vous est prêt pour le lundi prochain. Bye et à très bientôt. Maître Rodi, les bonnes félicitations du TD. Attention. Deuxième, remise de la médaille du TD. Et du coup de famille, deuxième catégorie, le TD Jacques. Et en bas, le deuxième, qui reçoit aussi à son tour les félicitations du président de la fédération. Et le premier, Makoutika Théo, s'il vous plaît, on va faire un maximum d'applaudissements. Photo de famille. Deuxième qui reçoit à son tour la médaille. Et le premier de cette catégorie qui reçoit son tour les félicitations du premier vice-président maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, les photos de famille, maître. Photo de famille, tout dans la photo. Quatrième catégorie. Après le premier combat, Jérémy. En tout cas, les athlètes ont été au rendez-vous ce soir. Maximum d'applaudissements, allez s'il vous plaît. Faisons tout fruit. Photo de famille. Cinquième catégorie. Ce soir, la médaille. Médaille du deuxième de cette catégorie. Et le premier médaillé d'or, nous allons faire ensemble un maximum d'applaudissements. Voilà, c'est mérité. Un arbitre dit de ce nom, c'est lui qui valorise le Congo Brazzaville et l'Afrique. Voilà. S'il vous plaît, on va faire un maximum d'applaudissements pour nos deux athlètes. Voilà, c'est mérité. Il est seul comme on mène. Photo de famille.
athlète. Bon, Namponi Phonix. Namponi Phonix. Et la championne de cette catégorie qui a son tour, Paul Samet, comme on l'appelle, Maître Ninja. Voilà. De cette discipline qui pense qu'il mérite, qu'il a les critères d'être.